Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo sur Minecraft Modpack FTP saison 2, sauf que nous l'avons personnalisé un peu plus. Nous avons rajouté des mods, donc nous sommes toujours avec les mods qu'on connaît bien, Bullcraft, Creative Tab, donc c'est pas mal de mods, Forestry, Industrial Craft 2, bah, les items qu'on connaît, les Logistic Piles, les MFFS. Les modes, il y a voilà, il y a pas mal de modes. Il faut le dire ce qui est. Ouais, on en a rajouté un peu. On a rajouté des biomes. Runchest, on l'a toujours. Computer, on l'a. Nuclear Control, Portal Gun, Raycraft, Soul Shard, bah Atomcraft. Hein. La Twilight Forest, on l'a aussi faite. Raycraft, hein, évidemment, celui que j'utilise. Et bien sûr, tous les blocs. Allô? Tous les blocs de Vanilla, comme toujours. Bon, alors, je vous présente un petit peu. Ça fait une semaine que je suis sur ce serveur avec Turtle. Nous avons recommencé une map par rapport à l'ancienne. Ça fait une semaine. Je me suis installé là-dedans. Donc, c'est une montagne, à la base. J'ai creusé petit à petit. Puis j'ai fait un petit peu ma maison, quoi, une fois dedans. Donc j'ai agrandi, j'ai miné, donc je vais vous montrer ça après. Je me suis fait avec Steve Cart un champ de blé, parce qu'il me fallait énormément de blé au début, parce que très peu de bouffe. Hein. C'était la priorité. La bouffe c'était la priorité, du coup j'en ai fait. Sauf que j'ai arrêté le kart et bah le kart a despawn. Bon, c'est un bug de Steve Kart. Ce qui me dérange pas mal puisque il coûtait cher quand même le truc. Il m'a fallu plus de 2 heures pour le construire ce kart. Du coup il faut que je m'en refasse un. Mais ça attendra parce que vu le stack de blé et le stack de graines, pour l'instant c'est bon quoi. Je suis pas non plus en abusé. J'avais fait des cochons, j'en avais environ 350 dans l'autre lot. Hein, j'en ai buté jusqu'à ce qu'il en reste 2. Évidemment. Bah ça se nourrit de carottes, donc du coup avant le blé, j'ai dû faire des carottes. Forcément. Le blé ça sera pour les vaches parce qu'il nous faudra du cuir pour Misscraft. Il nous faut beaucoup de cuir pour ce mode vu qu'il a. Le créateur a rajouté les crafts un petit peu chiants, mais en même temps c'est de la difficulté, donc ça nous intéresse. On descend, je me suis fait un kart à bois, bien après les carottes et le blé. Hein. Ça me faut du kart, alors j'ai toujours mon chunk loader. Il me permet de charger sur deux chunks de droite, gauche, derrière, bah, nord, sud, est, ouest, sur les côtés. J'ai fait un kart normalement, il y a trois stades de cartes. Il y a le kart wooden, le standard, le renforced, il y en a quatre. Et l'autre au-dessus qui est le galu machin, c'est des blocs de diamants. Et comme au début j'ai pas que du diamant en stock, du coup j'ai fait juste le renforced au-dessus. Alors il marche à l'énergie du fuel, alors le fuel il marche à l'énergie fossile, donc ça veut dire le charbon ou coal coke, ça marche très bien. Mais j'ai privilégié le solaire, mais comme on est dans des arbres et que ça pousse tout le temps, bah en fait il y a juste le fuel en fossile qui marche. Le woodcutter, ce qui me permet de casser les arbres, a une durabilité maintenant, depuis notre ancienne version ça a une durabilité. Bien sûr, c'est cher, mais il y en a pour longtemps. Donc, il faudrait que j'en remette 2 ou 1 ou 3, je ne sais plus combien j'en ai mis. Mon cargo manager qui me permet de vider le kart aussi, il est plein de bois. Il est pompé par un moteur en redstone, hein, un steam engine. En redstone, justement, alimenté sa pompe. J'ai des diamond pipes. Qui lui dit que le bois va là, que les sapins va là, et que les pommes vont là. Ah, il va commencer à faire nuit. Donc, on va visiter un petit peu notre chez-nous. Ah bah, surtout mon chez-moi, plutôt. Faudrait que je mette des escaliers ici, parce que ça me dérange de sauter tout le temps. Ah, une whips. Hop, au revoir la whips.
Putain, je suis trop bon. Upsessence. Yeah. Ah oui, non, mais... Vous verrez pourquoi j'ai Hurricane, Affinity, Punch et Power 4. Hein. C'est pas du shit, ça je vous le dis tout de suite. C'est juste qu'avec l'XP que je me fais, étape d'enchant de ouf, que bah, j'arrive à me faire des enchants pas possibles. Regardez, Knoback a Ban of Tropot 4. Ici j'ai Sharpness 4, Looting 3, Unbreaking 3. Hein. Logique. Efficacité 4, solidité 3, fortune 2, celle-là j'ai en fortune 3. Je vais augmenter son efficacité si j'ai le livre. J'ai ma Omnivrange qui se fait avec 2 diamants, un cyan et un gold d'or. Qui est pratique, il a aucune durabilité. Hein. Même si là-haut, en haut à droite, là où c'est marqué là, c'est du 5101, c'est la durabilité des outils, mais celle-là est... complètement, elle peut vraiment être incassable. Il n'y a pas besoin d'enchant, elle est incassable à l'origine. Fortune 2, Breaking 3. Alors va comprendre la fortune dans une hache, parce que quand tu couches une bûche, t'as une bûche, t'en as pas deux, t'en as qu'une. Enfin bref. Skill Touch, c'est pas mal pour récupérer la grâce au lieu de la bouse. C'est quand même bien. Lui, je vais essayer de l'avoir. Ouais, oh putain, je suis trop bon. Donc j'ai mon arme à rubber hein, pour faire les circuits industriels craft. Je me suis fait un escalier parce qu'avant c'était que... Voilà. Du coup, voilà. Je vais baisser le son. Complètement, parce que vous saurez pourquoi après. Donc voilà, je me suis fait une maison. Bon, certes c'est de la cobble, je me ferai de la stone brick plus tard. Je rentre chez moi, bizarrement ça change. Je suis en faceful modé, hein, en 32, mais en faceful modé. Donc les coffres en or ressemblent à plus de l'or qu'autre chose. Les coffres en bois comme toujours. Hop, hop. Mon carte assembleur qui me servira pour refaire un carte pour le blé. C'est pas grave. Ma grande bibliothèque. Oh, c'est trop beau ça. J'aime bien ça. Mais bon. Donc ça va jusqu'au level 30, mais j'ai remarqué que plus on met de bibliothèques dans les versions modées, plus les enchantes sont vraiment très haut. Alors j'ai toujours les livres. J'ai toujours des livres en fait. On a pillé des bibliothèques, on a 2 donjons de laine. Un à 535 mètres et un autre à 800 mètres. J'ai découvert ça par hasard et bah, c'est pas plus mal, ça nous fait des livres chacun. Donc voilà. Bibliocraft, quelque chose, un mode super pratique, c'est qu'on peut ranger nos livres enchantés. Donc je vais remplir tout ça de livres. Hein. Alors je vais faire un tri ici par exemple pour l'art, pour l'épée, la pioche, l'armure, patati patata. Donc c'est des livres que je vais enchanter, et ainsi de suite. Je me suis fait des pastèques parce qu'il m'en faut pour mes popos. Je prends ça parce que c'est... D'accord, non, bah en fait ça sert à rien du tout. En tout cas, c'est fortune, donc ça peut servir, finalement. Pas grave. La porte de laine, pourquoi je l'ai mis ici? Je l'ai mise ici, c'est tout simplement parce que je peux aller chez Turtle, qui est là-bas, qui est à plus de 600 mètres, en un rien de temps. On passe par le Nether. Alors, bien sûr, des fois, j'ai les Pink Zombies qui arrivent ici, donc du coup, je les tue. Ils me font rien, je les tue. Les barrels. Très pratique. Avant j'avais que 14 diamants, maintenant j'en ai 78, mais j'en bouffe quotidiennement. Hein. Chaque jour j'en bouffe au moins un, ce qui est sûr jusqu'à 10. Alors tous les barrels, hein, coal coke en cube, en bloc. C'est des 9 coal coke qui se font dans les... Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit crash parce que le modpack n'est pas vraiment très stable. Du coup, il y a Turtle qui doit faire une mise à jour du modpack. Enfin bref, c'est quand j'ai cliqué sur le coke oven que bah, j'ai crash. Des fois, je clique sur un barrel, je crash, mais bon, c'est pas grave. Donc, les cold coke se font avec les coke oven. Les coke oven se font avec du charcoal qui donne 500 chrysol. Ou sinon, nous donne avec du charbon 1000. 500, je veux dire, et charcoal 250. Donc je m'en suis fait 3. Et au milieu, je me suis fait le grand tank avec tout le liquide. Alors, le liquide, je le pompe grâce à ces tubes qui sont liquide duck.
qui font de l'Ardenglass et du lead. Nous font ceci avec du coupeur. Ça me permet de pomper automatiquement le liquide et le mettre là-dedans. Parce qu'ils ont une jauge de 64 000 et celui-là il a une jauge de 2 millions. Donc, alors à la grandeur des tanks, ça dépend en fonction de la taille, hein, naturellement. Le Blast Furnace ici pour faire notre style. Il nous sert beaucoup, surtout moi, il me sert énormément. Et qui me servira encore. Derrière moi, il y a une industrie de potions. Donc merci Monsieur Minecraft Zephyr, qui travaillera avec nous sur Flaggers 3. C'est grâce à lui que je me suis fait justement cette salle à popos. Ça, c'est pas plus mal en même temps parce que ça me sert. Donc je clique, ça m'envoie ça. Je fais des... Alors... des popos pour résistance au feu. Je crois qu'il me faut de la redstone également. Voilà. Et je vais faire des splash. Pour me faire justement des potions de résistance avec splash. Alors ici la Nether Wart, hein, bien sûr, il m'en faut. Pour ça, notamment. J'ai mon petit lit, mais je m'en servirai pas parce que je vais descendre. Industrial Craft, hein, c'est une nouvelle machine, ils sont nettement mieux que les précédentes. Vous verrez pourquoi plus tard. Je descends dans mon petit minecart. Je me suis fait tout ça. Alors les rails, je les ai fait qu'après, hein, bien sûr. En creusant, j'ai découvert un mineshaft que j'ai exploré, bien sûr. Et ici, voilà, je vais descendre. Je vais mettre un rail automatiquement qui me fasse descendre directement. Et jusque tout là-bas, jusqu'au point, donc 330 mètres, j'ai fait une tortue. Sauf les galeries qui sont là, je les ai faites à la main, mon petit. Mais après, j'ai fait une tortue qui fasse automatiquement le minage à ma place. Et elle pose des coffres quand elle est pleine. Donc merci Turtle pour ce programme. Donc vous voyez, hein, j'ai vraiment là-bas, j'ai découvert plein de diamants. J'ai failli crever 3 fois dans la lave. Heureusement que Turtle était là pour me lancer des popos. Parce que sinon, j'étais un peu dans la merde. Alors la chauve-souris, ça m'énerve, ça me casse les dents. Bah, elle est morte. D'accord. Plus tard, dans les prochains épisodes que je me ferai, je ferai un tunnel pour aller jusqu'à chez Turtle. Donc ça sera pas des rails comme ça, parce que c'est très lent ça. Quand on pousse, et hop, c'est très lent. Bon, c'est des boost strike, hein, donc c'est comme Vanilla, hein, c'est pas le même craft, mais bon, c'est voilà. En montée, j'aime bien parce que le kart il bouge bien. Mais ça sera des HS Speed Track, donc c'est les cartes ultra rapides. Ça va me bouffer énormément en Blaze. En Blaze, hein. Vous avez vu, il y en a beaucoup. Hein. Je vais voir si mes popos sont prêtes. Oh, c'est génial, ils sont faits. Et voilà, ça. Ce que j'aime bien, c'est que ça recharge automatiquement. Je vais m'en bouffer une, voilà. Et je vais aller dans le Nether. Le Nether, tac, j'apparais. Bonjour, Epic Zombie, ça boum. Alors là-bas, il y a le portail 2. Le portail numéro 2, c'est celui qui me fait amener chez Turtle. Ça me fait quoi? Allez, 80 mètres à y aller? Au lieu d'en faire 800 dans la vraie vie. Comme le monde entre le Nether et le monde Overworld, il y a une distance divisée par 8. Du coup, ça c'est le deuxième portail. Sauf que moi, je vais monter là-haut. Ouais, j'ai cherché en fait des spawners de Blaze. S'il m'en fallait. Notamment pour faire ceci. Alors, je l'ai fait en Ligite. J'ai bouffé des popos. Parce que le spawner, il pop. Bon, je l'ai entouré, bien sûr, de Netherwart. De Netherrack. Bah, de la pierre là, quoi. Tout autour. 4 par là, 4 par là, 4 par là-bas, 4 par là. 2 en hauteur. Ce qui m'a permis de le désactiver. Donc, tous les blazes, quand ils spawnent, ils activent sur les plaques de pression. Donc, allez voir la vidéo d'Hyper sur son let's play mécanique. Saison 1, parce qu'il va faire sa saison 2 plus tard. Voilà, hop, ça pousse. Et à chaque fois qu'ils se font pousser, ils arrivent en bas. Je me suis fait une salle avec des escaliers, hein, parce qu'avant c'était un gros bordel. Ils arrivent ici,
Hyper avait fait en sorte que les blazes au bout de, quand on active un bouton, au bout d'un certain temps, il y a juste à les taper avec le bras, une torche, une popo par exemple, une popo, ça les tue en un seul coup. Sauf que moi je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les enlève et ensuite je les bute avec mon épée looting, hein, bien sûr. C'est nettement plus rapide et ça me fait de l'XP. Bon, j'en ai récupéré que 15. Alors, comment j'ai pu avoir 30 Blaze Powder? Parce que c'est très très long à tous les buter. Alors, j'active ça pour éviter qu'il pop en bas. Je retourne chez moi. Sans croiser de Wither squelette, hein, ça m'arrangerait. Parce qu'ils font mal ces enfoirés. C'est pas grave. Je retourne chez moi. Je redescends mon escalier. Faudrait que je creuse un peu plus haut parce que c'est chiant de se taper la tête là-dessus. J'ai mis une cobble comme ça. Hein. Donc n'oubliez pas de sauter si vous avez deux de haut dans une galerie. Parce que ça nous permet d'avancer nettement plus vite. Que de rester assis. Non. Bah en tout cas, moi j'ai Hast 2, donc même en marchant, vous voyez, hein, c'est que je vais quand même vite. Donc je retourne chez moi. Tac. Puff, bonjour. Alors, comment j'aurais pu avoir 3054 Blaze Rod? C'est tout simple, parce que quand je vais remettre le son, vous allez entendre déjà les Blaze. C'est dingue, avoir des blazes dans l'overworld, hein. Comment faire? Oh salut toi. Permets? Voilà. Oh le connard. Enfin bref, pas grave. J'aurais pas dû le jeter. Enfin bref. Comment avoir 3057 blaze rods? C'est tout simplement grâce à Tomcraft et grâce à Turtle, parce qu'il me l'a fait découvrir celui-là. C'est bonjour les blaze! Et bonjour l'XP surtout. Donc j'ai fait tout un système, c'est quand on active, tac, déjà j'ai un changement d'état d'eau, c'est plus les mêmes côtés. Bon déjà je vais prendre tout l'XP. Hein. En même temps ça désactive le spawner, dans Tomcraft pour avoir ça il faut des shards. Les shards ça se fait avec une glowstone, un diamant, 4 netherrack, j'ai du mal avec celui-là. Et entouré de landstone. Donc il est parti buter comment? Le l'Under Dragon. Hein. Non, ça je vais aller le chercher plus tard. Je me suis fait un petit système de pistons parce que je m'éclate bien avec les pistons. Hop. Oh là là. Vous voyez? Comment avoir 3000 et quelques blaze rods? C'est tout simple, hein. C'est juste en ayant le spawner et roule ma poule. Hop. Dans la Grushcraft, c'est moi qui ai l'ingénieur Redstone pour Flagworth 3. On m'a mis un petit peu à l'œuvre et puis du coup, bah, je fais des systèmes un peu partout, dans tous les sens. Du coup, bah, je m'amuse avec les systèmes de partout. Je vais la laisser réactiver. Hop, ça change d'état. Et Blaze et l'XP viennent chez moi. La turtle fait qu'elle donne des coups à chaque fois qu'elle a un blaze ou un mob quelconque au-dessus de sa tête. Même moi, elle m'inflige quand même 3 quarts de dégâts alors que j'ai l'armure à fond. Enfin bref, faut pas chercher. Donc c'est pour ça que j'ai autant de blaze rod. Tic. 3615. Wouhou. Le blaze powder. Ça me sert pour les popos. Hein. Bon, il faudrait que j'arrête d'en mettre parce que à force je vais être full. Mais bon, enfin bref, donc c'était. Voilà, c'est un petit peu la présentation de chez moi. Voilà, à peu près. Je recherche juste mes 3 métal en Forted. J'en ai besoin pour réparer les cartes là-bas. Alors vous voyez, hein, je prends un livre, hop, j'envoie, tac, protection 3, c'est très bien. Il m'intéresse pour l'armure, hop, je le mets là, et hop. Il me remplit là. Comme je peux le mettre là, il se remplit sur le côté. Donc je le voyais, j'ai tout ça à remplir et chaque bibliothèque font 3, 6, 8 x 2, 16. 16 livres, donc ça va, j'aurai le temps de tous les remplir.
Je suis en train de chercher le métal renforcé, en fait. Est-ce qu'elle me le faut? Ah, j'ai oublié un truc. Très intéressant. Oui, ça me permet de monter parce que j'ai un bug avec les échelles. J'arrive plus à monter dessus. Hein. Faut pas chercher. Qu'est-ce que c'est ce liquide blanc? Déjà, c'est un Iron Tank, donc 10 368 000. 10 368 seaux qu'on peut le remplir. Ceci, c'est de la vapeur. C'est grâce au steam boiler qui me permet que quand je fais chauffer de l'eau, ça me crée de la vapeur. Je l'ai stocké. Il me manque du steel. Grâce au steel, je pourrais me faire du courant. Ici, c'est une steam turbine. Donc, il y aura des crafts. Et ici, il y aura toute une salle d'MFSU qui permettront d'échanger la vapeur en courant électrique dans en électricité et alimenter toute ma maison gratuitement. Bah gratuitement, non, parce que ça me bouffe énormément de charcoal quand même, de coal coke. C'est des cubes de coal coke que j'ai mis. Ça m'en a bouffé 50 rien qu'au démarrage, mais une fois que c'est bien chauffé, un coal coke fait 5 minutes. Donc au lieu d'en faire 20 secondes. Ça change littéralement la donne. Donc voilà, bon bah en fait c'est tout puisque je ne retrouve plus ma mon métal renforcé. Ah si, il est là. Métal renforcé, hein, ça nous crée à partir de ça qui est du fer hein, principalement, mais qu'il faut ça et il faut ça. Donc au début c'était très dur d'en avoir. Bon, je vais juste mettre ça aux cartes à bois là-bas. Et puis bah je vais vous laisser là hein, parce que je pense que ça va faire plus d'une demi-heure que je tourne déjà. Ça passe tellement vite quand on parle. Je vais la poster, je vais l'encoder et la poster aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous l'aurez vendredi. Et aussi que je vais vous parler de Portal qui sortira lundi. Vous voyez, je mets ça et hop, ça recharge. C'est dingue, hein. Il y a une petite jauge verte qui se remplit, qui se vide, et une jauge blanche qui se remplit. Ça, c'est très bien. Je crois que ça me prend 100 000 environ. Non, ouf. C'est environ 50%, là, ouais, 70 000. Ça fait 210 000 sur 320, c'est quand même bien. Ah, bref, une fois c'est rechargé, je viendrai mettre du colco, qu'il faudrait que j'en refasse. Je vais prendre du bois, parce qu'il me faut beaucoup de bois. Et puis plus tard, bah, je vais me faire du biofuel. Ça me permet, avec les scies, de faire du liquide fer, liquide végétal que je fais raffiner et ça me fait du vieux. Enfin bref, voilà. Donc je disais, Portal, vous l'aurez lundi parce que vous avez été beaucoup à me demander quand est-ce que c'est le prochain épisode de Portal, donc il sortira lundi. Dans l'après-midi, je mettrai le lien, bien sûr, de Portal vu de Silver dans la description, naturellement. Sinon, bah, par ça, il y aura d'autres vidéos qui sortiront prochainement, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, il y en aura toujours. Et puis, bah, j'espère que les abonnés vont augmenter, hein, parce que pour l'instant, je suis à 103 abonnés, mais j'aimerais bien que atteindre un millier, hein. Donc pas maintenant, mais au moins un millier d'ici peu. Je pense que ça viendra, mais bon, c'est pas grave. Donc bah voilà, bah, je vais vous laisser sur la farm de Blaze. Qui est en train de se faire massacrer. Une XP à gogo surtout. Donc voilà. Bon bah moi je vous dis voilà, à prochaine. Et puis portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas surtout à chaque vidéo le petit j'aime, naturellement, c'est ce qui me fait toujours plaisir. Sur ce. Moi je vous dis à la prochaine, ciao les Blaze et ciao les abonnés.